Bayou Mutant est sorti le 25 mai 2021 sur PS4, Xbox One et PC. Il est édité par THQ Nordic et développé par Experiment 101, des anciens d'Avalanche Studio, pour ceux qui connaissent. Biomutant est un action RPG se déroulant dans un monde post-apo, ravagé par la pollution et les radiations. Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ces radiations ont provoqué des mutations génétiques, et vous jouez l'une de ces créatures au passé flou et en quête de réponse. Vous arrivez tout d'abord sur un menu de création. Vous choisirez la race, ce qui change les attributs de base. Vous pourrez ensuite choisir une classe, puis des attributs génétiques, et enfin personnaliser la fourrure. Côté équipement, vous trouverez différentes tenues, toutes modifiables, elles aussi, grâce à un menu de craft, tout comme les armes que vous pourrez même entièrement fabriquer. Je vais rester flou sur la partie scénario et les différents choix qui s'offrent à vous, je préfère vous laisser la surprise. Niveau visuel, le jeu nous emporte dans un monde ouvert coloré, avec des biomes bien différents chacun. Si la patte artistique et quelques effets de lumière donnent une agréable sensation, on se rend vite compte des limites techniques du titre et de budget, des textures assez moyennes, beaucoup de clipping, quelques baisses de framerate viennent gâcher la fête. A noter que pour l'instant, le jeu ne tourne qu'en 1080p sur PS5, alors qu'il a un upscale 4K sur Xbox Series X qui devrait être résolu par une mise à jour. Dans un monde pourtant joli au premier abord, la fête est malheureusement gâchée par ses soucis techniques. Niveau gameplay, bien qu'un peu rigide, tout se prend bien en main. Les combats contre les mange-mondes sont réussis. La combinaison de touches pour sortir les pouvoirs sont simples à utiliser et globalement, même l'exploration se passe plutôt bien. J'ai eu quelques petits soucis de caméra sur certains combats, mais dans l'ensemble, tout se passe à peu près correctement. Nous allons maintenant arriver au sujet qui fâche. Parce que oui, malheureusement, le jeu est loin d'être parfait sur beaucoup de points. Et c'est aussi dû à ses développeurs qui n'ont travaillé que sur du Just Cause. Et on sait que Just Cause ne brille absolument pas par ses qualités de mise en scène, de variété dans les objectifs, de voilà. Surtout le dernier qui est une vraie merde. Et donc on arrive sur une mise en scène qui est totalement absente. Vous avez zéro cinématique. Même quand vous parlez à des personnages, c'est des caméras fixes qui se baladent d'un personnage à l'autre, un peu comme dans les jeux des années 90. Les dialogues sont mous et interminables, et la construction de l'aventure est totalement basique et répétitive. Ça va se limiter à prendre un camp, qui prend entre 5 et 10 minutes, puis en prendre un deuxième, puis en prendre un troisième. Vous allez arriver au fort, vous prenez le fort, et là vous avez le choix si vous avez assez de persuasion, de persuader le chef de la tribu de vous rejoindre sans vous battre ou de vous battre contre lui. Une fois que vous l'avez battu, vous pouvez soit le tuer, soit l'emprisonner, soit lui proposer de se joindre à vous. Et vous recommencez ça avec la tribu suivante. La prise de camp n'apporte quasiment aucune différence à chaque fois et se fait toujours très rapidement et assez facilement, j'ai trouvé. Ce qui est plutôt dommage. En dehors de ces prises de camp pour rallier les tribus, vous avez des personnages à aller voir sur la map qui vont vous demander de récupérer 2-3 objets ou des trucs pour un véhicule qu'ils sont en train de construire pour tuer un mange-monde bien précis dans leur zone. Une fois que vous avez fait ça, vous allez affronter le mange-monde. Et c'est à peu près tout. Le reste, ce sera de l'exploration dans un monde qui est très joli, très agréable. Vous avez des choses à trouver un peu partout. Vous avez des zones avec, on vous dit, vous avez tant de coffres à trouver, tant d'ennemis à battre, tant de machins. Mais la construction du jeu, c'est ça, du début à la fin. Ce qui est très dommage. C'est une construction, donc, comme je vous le disais, ultra répétitive dans un monde qui est pourtant très agréable et qui aura raison, malheureusement, de certaines personnes avant la fin. Une mise en scène inexistante qui n'aide pas à s'impliquer non plus dans le scénario du jeu. Dans un jeu qui est pourtant généreux dans sa proposition et qui aurait pu être un très bon jeu et qui rate cette marche. Des développeurs qui sont surtout connus pour leur travail sur Just Cause, qui ne brillent pas par ses qualités, comme je vous le disais, de mise en scène et de variété. Et ils auraient peut-être eu besoin de l'aide d'autres développeurs un peu plus aguerris sur ce sujet. C'est un petit peu dommage, j'aurais aimé qu'il soit peut-être un peu moins ambitieux sur le monde ouvert, pour l'être un peu plus sur la mise en scène et la construction globale du titre.
Biomutant est un jeu généreux et plein de bonnes idées. Posé sur une construction bancale et un peu vieillotte, sur un fond de désastre écologique bien réel dans notre monde à nous, malheureusement, qui nous amène à nous poser des questions sur notre façon de vivre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les jeux actuels et que je trouve intéressant à traiter parce que c'est quelque chose sur lequel on se pose énormément de questions en ce moment, sur lequel on essaye, malgré le fait qu'il y ait de l'argent et tout en jeu, de trouver des solutions pour limiter l'impact. Donc j'ai trouvé cette idée et ce scénario dans son approche assez touchant et c'est quelque chose d'actuel et c'est un des points que j'ai aimé sur le jeu. Mais malheureusement pour sa construction très bancale, le fait qu'il soit sorti je pense avec 2-3 ans de retard, s'ils avaient eu plus de ressources, il serait sorti il y a 2 ou 3 ans. C'est un jeu que je vous conseille à 20-30 euros maximum cet été pendant les périodes de creux, quand il n'y aura pas grand chose qui va sortir. Je pense que vous passerez malgré tout un bon moment parce que le jeu est plutôt agréable malgré tout. Mais ce manque de variété dans les objectifs et dans la construction du jeu, ça peut être un frein pour certains. Donc c'était mon avis, voilà, sur ce jeu. Comme d'habitude, je vous donne mon avis sans me cacher, sans vous mentir. Je vous dis ce que je pense. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais c'est un jeu qui n'est pas totalement acheté. Il y a un message derrière. Il y a une volonté des mecs de faire quelque chose d'ambitieux et de généreux. Alors, c'est pas réussi sur tous les points. Mais en espérant que pour la suite, ils aient plus de budget, plus de ressources pour leur prochain jeu. Et qu'ils se servent des erreurs qu'ils ont commises là pour nous sortir un truc énorme la prochaine fois. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous.